Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Perry Cochard, Stevie Boulet, Gérard Miller, Claude Sarotte, Elsa Fayère et Philippe Gueluc. Oui Gérard, tout de suite là, vous attaquez. Peut-être un petit sketch. Un petit gag. Un gag. Non, non, non. Moi je dis un jingle quand même pour lancer le truc. Je ne le dis pas. Mesdames souvent. Et messieurs, Gérard Miller vous parle. Gérard, tu fais bien de parler tout de suite, en début d'émission, comme ça, c'est fait. Voilà. Écoutez, je voulais surtout que je voulais dire que je ne le dis pas souvent, mais non, c'est... Que Gérard Miller, il pipipe. Gérard. Ben écoutez, Gérard. Vraiment, merci Gérard, parce que ce que vous avez dit là, personne ne l'aurait dit à votre place. Je voulais tout de suite commencer par un petit mot gentil en disant que de tous les chroniqueurs, vous avez réuni ceux qui vont le mieux ensemble. C'est un des meilleurs plateaux que j'ai fait depuis 6 ans à la télévision. Eh ben, on est content de le savoir. Il donne son avis maintenant et voilà, il juge et voilà. Non mais... Ah non, non, écoutez, vous réunissez la beauté, l'expérience, l'intelligence. Nous ça va, sauf qu'il y a toi quoi. Et voilà, vous l'avez cherché ça. Passons directement à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Ségolène Royal à la une du Nouvel Observateur avec ce titre « Élysée 2007 et si c'était elle ». Ce qui est intéressant sur cette photo, regardez, c'est incroyable, elle ressemble de plus en plus à la Joconde, Ségolène Royal. Faut qu'elle se méfie, elle va finir dans la cuisine de Stevie. Non, franchement... Léonard de Vinci aurait voulu la peindre, il n'aurait pas fait mieux. D'ailleurs, François Hollande ne l'appelle pas Mona Lisa, mais Monélisée. D'ailleurs, il doit s'inquiéter, monsieur Hollande, quand même. Hein. Il se voit déjà en train de collecter les pièces jaunes pour passer le temps. D'ici à ce que pour protester, il pose à poil dans lui, vous allez voir. Alors, cette une du Nouvel Obs, c'est étonnant quand même. On sent qu'il y a une poussée pour Ségolène à gauche. Il y a une poussée, et surtout que les socialistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les éléphants, comme on les appelle. C'est possible qu'elle ait une chance. Elsa Fayère ? Moi, je la trouve un peu sortie du chapeau et un peu trop tactique, pour être honnête. Moi, cette espèce d'accord un peu trouble entre elle et son mari, le premier arrivé soutiendra l'autre, etc. Je me méfie un peu, mais bon. Stevie ? Ben moi, j'ai pas changé d'avis, elle me fait toujours peur, elle est dangereuse. Pourquoi elle vous fait peur ? Je sais pas. C'est les gants ? Un, c'est une femme, de l'autre côté, elle est de gauche. Stevie, tu seras toujours pour moi un enchantement. Sarkozy te rassure et Ségolène Royal te fait peur. C'est bah formidable. Oui, bah c'est bizarre. Quand t'étais petit, on te racontait des histoires où le croque-mitaine s'appelait Bisounours ou quoi? En tout cas, pour l'instant, à l'Élysée, c'est toujours le couple Jacques et Bernadette Chirac qui y sont. Hier d'ailleurs, ils étaient au milieu de 600 enfants du personnel du palais présidentiel pour le fameux arbre de Noël de l'Élysée et un spectacle intitulé, je cite, « Le Noël de la banquise ». Il paraît que quand le président a vu les 600 enfants qu'il attendait, il a dit « Je pourrais jamais répondre à toutes les questions des lecteurs de Fripounet. Pourquoi vous les avez tous fait venir ?» Il y a quand même un gosse qui a pris une baffe à un moment donné. C'est le petit Sarkozy quand il a dit « Ça sent le sapin ». Ce qui est triste, c'est que le Père Noël n'a pas pu venir à l'Élysée, et ce, pour une bonne raison, il est encore, regardez, au Québec. Regardez comme il a l'air triste, c'est Alain Juppé, seul, dans la neige, avec son gros cartable et son petit bonnet. Là-bas, nous dit Paris Match, ça c'est quand même formidable, il échappe à la sinistrose, il a retrouvé son enthousiasme. Ça a l'air, hein, dis donc. C'est énorme. Il paraît que M. Juppé compte revenir dans la vie politique française. Faut juste qu'il trouve le bon traîneau et il ne s'exprime plus, vous le savez maintenant, que par l'intermédiaire de son blog sur Internet. C'est parce qu'il ne veut pas parler, en fait. Et oui, il a chopé l'accent de Céline Dion et franchement, pour l'instant, c'est encore ridicule. Quand on pense que pendant des années, M. Juppé nous a bassiné avec sa fameuse, souvenez-vous, tentation de Venise. Hein, il parlait que de ça, j'irai à Venise, Venise par-ci, Venise par-là. Manifestement, il s'est trompé de porte à l'aéroport. Et puis, il a des projets au Québec. En effet, il paraît que pour l'été prochain, il compte faire venir le préfet, l'ex-préfet, Marc Yanni, ainsi que Charles Pasqua pour la création d'un festival juste pourri. Ah oui.
On passe aux nouvelles de la greffée du bas du visage. En effet, les professeurs Dubernard et Devauchel ont encore fourni des photos à Paris Match cette semaine. Et regardez, bon, alors pour le bas du visage, ça va, mais manifestement, la médiatisation de l'opération a un peu ralenti les dons d'organes pour les autres parties du corps. Laurence, excusez-moi, parce que ça, on ne peut pas laisser faire, c'est malhonnête. Oui. C'est pas ça de mettre une photo de Giscard d'Estaing à la place de la greffée du visage. Non, cette photo, vous le savez, c'est la fameuse malédiction. Oui, Stevie. La momie d'Odie. Voilà. Elle a été trouvée dans les Alpes autrichiennes et c'est un néandertal. Exactement, la malédiction de la momie. Il paraît que tous ceux qui approchent cette momie meurent. Même regarder la photo, c'est dangereux. C'est vrai. Ah, oui, en parler, il paraît que déjà. D'ailleurs, la preuve qu'il y a une vraie malédiction autour de la momie. Chaque année, Madame de Fontenay est emmerdée avec une des Miss. Et cette année, regardez, c'était encore l'affaire du doigt sur la photo collective. Une affaire classé, nous dit le Parisien. En effet, après enquête, car il y a eu enquête. Yes. Ça, je trouve ça c'est énorme. Le comité organisateur de l'élection a conclu qu'il n'y avait pas de coupable, car il n'y a pas eu de majeur tendu, donc il n'y aura pas de sanction. Ah. Déjà que les filles n'avaient pas le droit de bouger le petit doigt, là, je trouve ça quand même dommage. Il faudrait la retrouver, cette Miss qui a fait un doigt d'honneur. Franchement, hein, c'est quand elle parlait avec les mains qu'elles, manifestement, elles sont les plus intelligentes et qu'elles disent les choses les plus intéressantes. Gérard. Cela dit, l'enquête n'était pas très difficile, parce que si le doigt était à gauche, immédiatement, toute une série de filles à droite était éliminée. Donc, petit à petit, on pouvait trouver la coupable. C'était pas très compliqué. Mais t'aurais dû faire l'enquête, toi. T'as l'air d'être vachement concerné. Oui, j'étais prêt à la En fait, c'était Miss Mars, les envahisseurs. Venu d'une autre planète. Vous, le doigt d'honneur, c'est ça. C'est comme ça que vous le faites, le avec doigt d'honneur. Avec quel doigt vous le faites, le doigt d'honneur? Moi, je ne le fais jamais, mais on m'a dit qu'on le faisait avec celui-là. Oh, il sait pas. On m'a dit que, mais pas sûr. Jamais tu ne me verras. Tu fous pas de ma gueule, tu sais pas que c'est ça, toi. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Quoi, t'as l'air d'être sincère, c'est la première chose que t'apprends à l'école. Regardez, Laurent. Une autre photo maintenant, celle de Benoît XVI, le pape, puisque le Vatican, on l'apprend ce matin, a demandé à tous les chrétiens du monde de donner 5 euros pour aider à lutter contre le sida. Ça, c'est plutôt bien, tout en continuant évidemment à refuser de préconiser le préservatif. Avec 5 euros, autant le dire, vous pouvez aussi acheter 5 capotes, et pour des rapports protégés, vous pouvez aussi vous adresser directement au Conseil pontifical pour la santé qui a lancé cet appel. Vous y trouverez des faux culs pour pas cher. Gérard, j'en ai parlé avec Perry, nous faisons ça à deux mains, ce qui ne pose aucun problème. Dans une main, vous mettez les 5 euros, c'est une très bonne initiative, et dans la deuxième main, vous mettez le préservatif. Et je c'est trouve vachement qu'il faut doué. Rappeler aux gens que seulement ce geste-là ne suffit pas et que c'est indispensable. On peut aujourd'hui. Peut-être aussi entourer son sexe du billet plutôt que de la capote, il paraît que ça attire les gonzesses. Non. Billet de 5 euros. Pour rappeler, profiter de l'occasion pour rappeler que le sida progresse de façon incroyable c'est dans l'inconscient général. Et ça vous savez. Pas envie, hein. T'as jamais vu un préservatif, toi? Je m'en suis jamais servi. Est-ce qu'il y a des tailles différentes? Non. Oui. Fondamentalement, il n'y en a pas, mais maintenant, paraît-il, on va en faire une très, très grande. Ça, c'est comme tout à l'heure, paraît-il, il ne connaissait pas les doigts. Non, il y a différentes tailles. Il y a même, c'est toute une affaire en ce moment, Enrique Iglesias, le chanteur qui fait de la publicité pour les extra small, puisqu'il a avoué lui-même avoir un tout petit sexe et qu'il ne trouvait pas de préservatif à sa taille. Je croyais que c'était élastique, donc ça allait. C'est un peu élastique quand même, fondamentalement. Le problème, c'est que c'est de plus en plus dangereux, parce que tous les mecs, maintenant, quand ils vont à la pharmacie, ouais, XL. Donc ça veut dire que quand ils mettent, c'est trop grand et chaque fois la capote, elle part. Moi, pour résoudre le problème, j'ai fait faire sur mesure. Nous allons maintenant accueillir la moustache la plus célèbre de la télévision française. Vous vous souvenez certainement des frères Roulant, c'est Jean-Paul Roulant qui revient sur ce plateau. Jean-Paul Roulant, on lui doit évidemment les caméras invisibles avec son frère Jacques. Il a passé plus de 20 ans au micro de repas avec la cinquième manche, avec Déjeuner chaud, le fameux jeu, le Cisco. Souvenez-vous, si vous étiez auditeur de cette station à l'époque, il a aussi créé avec Pierre Belmar toutes sortes d'émissions comme La tête et les jambes, Le bon numéro. Fin novembre, Jean-Paul Roulant a sorti « Tu seras un clown, mon fils ». Ses mémoires, en quelque sorte, aux éditions Charles Corlet, le récit de son enfance passée en Normandie, pour être plus précis. Voici sur notre plateau, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Jean-Paul Roulant. Bah, ils sont toujours là, les moustaches. Eh oui. Ah bah oui. Jamais vous n'avez rasé cette paire de moustaches. Je suis né avec. Non, mais j'ai été victime d'un glissement de terrain. Ça fait beaucoup pour votre popularité, cette paire de moustaches, cette moustache. Ah oui, énormément, énormément. J'ai commencé dans La tête et les jambes à avoir des moustaches pour faire des sketchs, et puis un jour, je les ai enlevées
en disant je ne l'en ai jamais eu. Et alors ça m'a poursuivi pendant toute ma carrière parce qu'en fait j'ai toujours des moustaches, mais j'avais fait un gag pour Belmar, un jour je les ai enlevées devant lui. Mais les gens vous reconnaissaient grâce à vos moustaches. Oui, parce que je me suis dit, je vais être tranquille pendant un bon moment. Et puis au premier feu rouge, il y a un type qui s'arrête à côté de moi, ma femme est témoin, à côté de moi, il me regarde, il me fait... Mais c'est assez rigolo parce que moi j'ai un souvenir d'enfance très particulier. Je me baladais en Normandie, j'étais dans une voiture de famille d'hommes avec, des parents à moi. Et il y avait devant quelqu'un, oh le monsieur là-bas, je ne sais pas quelle voiture vous aviez, il y avait une assez grosse voiture déjà à l'époque. Et quasi elles dépassaient vos moustaches, elles ont été plus grandes que ça. Elles ont été un peu plus longues. Voilà. Et elles dépassaient, et de dos... Quelqu'un avait dit à la voiture, oh, je suis sûr que dans la voiture là-devant, c'est Jean-Paul Roulant. On a doublé la voiture et c'était effectivement. Oh, mais je vais vous dire. Et on était vachement contents de vous avoir vu. Je vais vous dire. C'est vrai en plus. J'ai à peu près la même anecdote, mais ses moustaches dépassaient tellement que quand il était à pied et qu'on le voyait de dos, on pensait qu'il était à vélo et que c'était le guidon. Hélas, on le sait, votre frère Jacques Roulant n'est plus là aujourd'hui, mais il y a une question qui m'intéresse, c'est lui a été plus longtemps présent dans les médias. Est-ce que c'est parce qu'il avait vraiment envie de continuer à faire ce métier et que vous aviez eu envie d'arrêter avant lui? Pourquoi vous avez disparu, en tout cas dans la lucarne et à la radio, avant lui? Eh bien parce que... Même si lui, hélas, n'est plus là aujourd'hui. Bien sûr, mais parce que moi je me suis arrêté à 60 ans pile, j'ai pas donné un jour de plus. Et je tiens d'ailleurs publiquement à remercier ceux qui paient encore pour ma retraite. Philippe Gueluc. Alors oui, c'est formidable. Nous avons une légende devant nous. On peut dire que les frères Roulant et Belmar ont tout inventé à la télévision. Il est toujours là, Belmar, lui, alors. Oui, oui, bien sûr. Ah bah lui, il est comme Molière, il attend de mourir en direct. Alors moi, j'ai des tas de choses à dire sur lui. D'abord, son livre est formidable. Je trouve que les chapitres sont courts, on y revient. C'est chaque fois un petit moment d'histoire vu à travers lui. Et on voit que c'était des sales gamins, déjà tous les deux, depuis lui, qui faisait pipi sur le poêle pour que toute la pièce se mette à puer, qui mettait de l'encre dans le bol de lait que faisait réchauffer une bonne sœur sur le poêle. Et puis, il y a un moment très émouvant quand il raconte la perte de sa maman, quand il avait 8 ans. Et il dit quelque chose de magnifique. Il dit « Ce qu'elle m'avait donné d'amour pendant ces 8 années ont suffi pour toute la vie. Et aujourd'hui encore, ça m'aide à vivre. » C'est vrai. Gérard Miller. Vous dire que vous êtes toute mon enfance serait me rajeunir, mais c'est vrai, c'est-à-dire que vous avez absolument accompagné mon enfance, et c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé à l'époque pouvoir vous rencontrer. C'est-à-dire vous me sembliez un des personnages... Il existe. Mais oui, c'était comme les personnages dont on nous parle dans les histoires. Alors, maintenant que j'ai la possibilité de vous rencontrer, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière quand vous-même étiez enfant. Dans votre livre, vous évoquez votre découverte de la masturbation et vous racontez de façon très amusante qu'à l'époque, en référence aux mousses des bateaux qui aidaient parfois les marins manuellement, vous êtes allé vous confesser en pensant que c'était un grave péché. On vous a demandé à ce moment-là, le prêtre, quelle était votre faute. Vous avez dit, c'est la branlette du moussaillon. Ça a fait tellement rire le prêtre, dites-vous, que du coup, vous n'avez pas entendu combien d'ave et de pater vous deviez faire. Ben, je vais vous le dire, c'était 17. Donc, si vous pouviez maintenant les faire, en punition de la branlette de vos 17. Tu seras un clown, mon fils, des souvenirs normands de 1928 à 1945, Perry Cochin. Vous ne connaissiez pas Jean-Paul Roulant parce que vous êtes arrivé plus tard chez nous Exactement, je connaissais parce que, évidemment, dans des rétrospectives ou des choses comme ça, j'ai eu l'occasion de voir des choses que vous avez pu faire, mais je n'ai pas de souvenir d'émission. Bon, là, évidemment, la caméra invisible, alors vous devez bien rigoler aujourd'hui quand vous voyez toutes les caméras cachées qui se font à tour de bras dans toutes les... Rigoler, non. C'est-à-dire que tout est compliqué. Ah bon, d'accord. Ah ben, c'est agréable. Ah, c'est sérieux, ça. Non, mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, on a tout compliqué. Oui. Nous faisions les choses les plus simples du monde. La première caméra invisible que nous avons faite, c'est que nous avions enlevé le moteur d'une voiture américaine. Et Jacques Legras arrivait après une descente, n'est-ce pas? Il rentrait dans une station-service et il disait « Vous faites le plein et vous regarderez l'huile et l'eau. Et où sont les toilettes ?» Et il partait. Vous voyez que la situation est faite. Et le premier, n'est-ce pas? Alors le gars arrivait, il ouvrait le capot de la voiture, il restait les bras en l'air, il les rebaissait, il regardait si quelqu'un le voyait, et il disait « Polo !»
Et alors, il y avait un polo qui arrivait, qui était un gars qui était un petit peu plus loin. Il arrivait à... Viens voir. Non, mais attends. Viens voir tout de suite. Et alors, il le faisait arriver. Alors, il prenait vraiment son temps. Il soulevait le capot. Il faisait, regarde. Hop. Et l'autre regardait. Faisait, oh, les cons. Ils leur ont volé son moteur. C'est quand même inouï. Elsa. Je suis ravie. Je suis ravie de vous voir, comme on a eu un petit peu la même enfance, Gérard et moi. Non, c'est vrai que moi, j'étais très petite, hein, à l'époque des caméras invisibles, mais vous étiez pour moi comme une espèce de Père Noël. Généralement, ça arrivait pendant les fêtes de Noël et c'était du bonheur, c'est parce vrai. Que c'était des émissions qui se prenaient pas la tête, c'était rigolo, c'était la liberté. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je vois aujourd'hui ce que vous faisiez à l'époque, c'est pour moi, c'est la liberté, c'est ça la télévision. Si on n'essaye pas de se prendre la tête et d'essayer de faire rire les gens, vous les faisiez rire parce que vous riez aussi quand vous faisiez vos caméras cachées. Et ça se ressentait et c'est extraordinaire. Et on se rend compte quand on réfléchit pas, parfois on arrive à des pas choses. Pas toujours ici. Moi je me sens pas concernée. Hein. Stevie, alors là, Stevie, évidemment. Ah ben Stevie. Vous pouvez. Il n'y avait pas la télé-réalité à votre époque. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ben voilà, vous ne pouvez pas connaître les frères Roulant, vous. Bah pourtant, j'en ai déjà entendu parler. Par rapport aussi aux caméras invisibles. Mais moi, le livre, j'ai beaucoup aimé parce que il y a. Je sais pas, je trouve l'époque française, justement, c'est un peu avant le Front populaire, etc. Je trouve cette époque de la France incroyable. C'est un univers que je découvre, que je ne connaissais pas, et je me dis, bah ouais, bah à l'époque, bah à Noël, t'avais deux oranges, alors quand l'orange allait dans le saladier pour faire une salade composée, il faisait la gueule. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, et ce livre-là est un régal. Parce que des gens comme moi, on ne connaissait pas la vie d'un Français standard à cette époque. Et c'est hyper intéressant de le lire. Ouais. Voilà. Et puis, il y a un très beau chapitre sur votre l'usine que vous lancez sur la fabrication des fauteuils, les fauteuils roulants que vous avez lancés. Bravo, Yannick. Bien tenté. C'est Charles Ludon qui me l'a soufflé. Je rends à Charles qui appartient à César. Il oublie les escaliers parce qu'il y a aussi, c'est très célèbre. Les fameux escaliers roulants. Tu seras un clown, mon fils. Gardez vos moustaches. On aura peut-être le plaisir de vous recevoir à nouveau. C'était en tout cas un bonheur pour nous de vous avoir sur notre plateau. Merci Jean-Paul Roulant. Merci à vous. Merci. 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 Merci Laurent. Afin que les émeutes dans les banlieues ne se reproduisent plus et qu'une issue non violente puisse être trouvée en cas de crise, le collectif Devoir de mémoire, avec un S à mémoire, demande à tous les jeunes, et en particulier à ceux des banlieues, d'exercer leur citoyenneté en allant le mardi 20 décembre prochain, ça peut être avant et ça peut être après, mais c'est symbolique cette date du 20 décembre, en allant tout simplement s'inscrire en masse sur les listes électorales. En effet, voter, c'est encore le meilleur moyen de s'exprimer et de lutter efficacement contre les discriminations et les inégalités. C'est en tout cas le message de ce collectif fondé par Joey Starr, Laïla Dixmier et Olivier Besancenot. Beaucoup de personnalités se sont mobilisées pour cette action. Lilian Thuram, le footballeur, Alain Chabat, l'humoriste et réalisateur, Jean-Pierre Bacri, le comédien, ou encore Jamel Debbouze. Pour parler de ce grand mouvement citoyen, allez vous inscrire sur les listes électorales. Accueillons la présidente de ce collectif Devoir de mémoire, Laïla Dixmier, accompagnée par le porte-parole de l'ALCR, la Ligue communiste révolutionnaire, le célèbre facteur, Olivier Besancenot. Je trouve que c'est une formidable idée, qu'on soit d'accord avec vos idées politiques ou pas, Olivier Besancenot, et avec les vôtres que je ne connais pas d'ailleurs, et c'est peut-être aussi bien. Et c'est peut-être aussi bien comme ça, d'ailleurs, de ne pas connaître les idées, mais de dire que de toute façon, il faut que les jeunes votent. Votez contre, votez pour, mais votez. C'est le but de cette opération, ou est-ce que, avant toute chose, il y a un but politique derrière ça, derrière le but citoyen, on va dire? Non, quoi qu'il arrive, c'est vraiment une idée, un réveil civique. On pousse tous les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales suite à ce qui s'est effectivement passé en banlieue dernièrement. On pense que c'est une réaction concrète et efficace, une des solutions finalement suite aux voitures qui ont cramé, etc. Et on pense que là, pour le coup, d'aller s'investir dans la vie citoyenne, c'est vraiment... C'est l'action la plus importante, je pense. Est-ce que ça veut dire, Olivier Besancenot, vous qui peut-être connaissez bien les chiffres et le nombre de jeunes qui se sont inscrits depuis 2002, est-ce que ça veut dire que le premier tour, et le deuxième tour surtout, mais les résultats du premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002 n'avaient pas été suffisants pour motiver les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales?
Je crois que le traumatisme du 21 avril 2002, il a servi un peu de détonateur pour de nombreux jeunes. Mais après, il y a aussi de nouvelles générations qui viennent d'arriver. Et puis, il y a surtout tout ce qui s'est passé. Je veux dire, le problème, c'est pas simplement de lutter contre l'abstention. C'est aussi de braquer un autre projecteur sur ce qui se passe dans les quartiers pour montrer qu'il y a des choses hyper positives qui sont menées par des associations de jeunes et de moins jeunes avec des projets sportifs, culturels, urbains, artistiques et dont on parle malheureusement trop rarement. Quoi. Et l'idée, là, c'est donc de ne pas se réveiller trop tard, de ne pas dire « Ah bah, trop tard, je ne peux plus m'inscrire, voilà. La date est passée. » C'est vraiment un réveil, une action concrète et tous ensemble ce même jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se donne tous rendez-vous donc le mardi 20 décembre de façon symbolique à 14h à la mairie de Clichy-sous-Bois avec donc Muétine, le jeune, un des jeunes qui est heureusement sorti vivant suite au décès de Ziad et Bouna, paix à leur âme, et qui donc sera avec nous, qui lui ne peut pas encore s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il n'a que 17 ans, mais qui sera présent avec les différents parrains qui soutiennent l'association et l'initiative. Gérard Miller. Ben, ce qu'il faut dire surtout aux gens qui sont sceptiques à quoi ça sert de voter, c'est que tout ne sera pas réglé par un bulletin de vote, mais c'est un des éléments. Vous pourrez manifester si vous voulez manifester, vous pourrez faire grève, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais allez voter, se priver de ça. Y compris voter Nicolas Sarkozy. Si faites ce que vous voulez. Si vous êtes d'accord avec cette idée. Ce qu'il faut dire, c'est que franchement, il faut absolument s'inscrire, c'est une initiative formidable. Alors il y a être inscrit, mais après il y a se déplacer pour aller voter. Est-ce que vous, Olivier Besancenot, vous êtes plutôt favorable au vote obligatoire comme en Belgique par exemple? Le problème, c'est comme il y a un discrédit tel finalement de la politique en général, la meilleure façon de la réhabiliter, c'est aussi de se l'approprier, y compris par ce type d'initiative-là. Je pense que, alors nous, on n'a pas la prétention de tout régler, mais je veux dire, je pense que c'est important de faire la démarche malgré tout. Je crois que c'est quelque chose d'important. L'un n'empêche évidemment pas l'autre, et j'ai l'impression que chez nous, moi, c'est une chose qui semble inscrite tellement en nous que ça ne pose pas de problème. On va voter, c'est un devoir citoyen. On ne se pose même pas la question de savoir s'il se pourrait qu'on n'aille pas voter. Perry Cochin. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut expliquer à beaucoup de jeunes qui n'en ont peut-être pas conscience que c'est une chance d'être français aujourd'hui quand on est en France. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est une chance que d'avoir cette identité, ce passeport, cette nationalité. Mm-hmm. Et c'est un vrai truc important auquel ils doivent tenir et s'accrocher. Et aller mettre un bulletin dans une urne, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste je vis en France et absolument, je suis là. C'est important que les jeunes le sachent, mais c'est important que les pouvoirs publics le comprennent aussi. Parce que par exemple, on dit souvent, ça c'est le nouveau terme à la mode, c'est issu de l'immigration quand on parle des jeunes des quartiers. Mmh. Et c'est Mouloud Aouni du MRAP qui disait ça. Mais on dit ça pour des jeunes qui sont issus de l'immigration pour la troisième ou quatrième génération. Bien sûr. Et on ne dit jamais ça pour Nicolas Sarkozy, débile. Qui est issu de la génération de mais la deuxième. On ne dit jamais voilà. Nicolas c'est Sarkozy, ministre débile, de l'Intérieur, issu de la génération, issu de l'immigration. On ne l'entend jamais. Donc à un moment donné, ça renvoie aussi à la question de la mémoire, à la question travail du passé de fond, colonial de la France, et c'est toute voilà. L'actualité que vous connaissez. Alors, autour des projets de loi, etc. Elsa Fayer. Oui, je vous rejoins tout à fait sur ce que vous dites, puisque moi je suis un enfant d'immigré, et c'est vrai que le premier réflexe que mon père a eu lorsqu'il a eu ses papiers français, c'est d'aller voter. Mmh. C'était un réflexe civique, et moi j'ai pas eu ce réflexe. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce à l'actualité, grâce à tout ce qui se passe, grâce aux petits réveils et aux alarmes là, qu'on est en train de prendre tous en pleine face, eh ben aujourd'hui, il y a une vraie démarche. Je pense qu'il y a un vrai besoin des jeunes de faire partie de la vie politique française, et c'est très important. Et c'est là que vous êtes très important. Parce que moi, quand j'ai lu le document pour cette séquence, je me suis dit, mais quel rapport entre Olivier Besancenot et Leïla, qui est la compagne de Joe Star? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit, allez, on va faire pot commun? La naissance du collectif, c'est en fait finalement un dîner entre amis. On s'est dit qu'il y avait vraiment, pour le coup, des pages occultées de l'histoire qui étaient super importantes et qui, justement, étaient la constituante de cette légitimité de se sentir français, finalement. Parce qu'il y a une histoire, parce qu'on n'est pas ici pour rien, parce que nos parents ont une place dans la société française. Et on s'est dit que de travailler tous ensemble sur l'histoire, ça pouvait nous aider à avancer et à concrétiser, finalement, ce type d'initiative. Stevie? Moi, je trouve l'idée aussi très bonne d'inciter les jeunes à aller voter, mais faut-il déjà connaître la politique? Malheureusement, une grande partie des jeunes, j'en faisais partie, mais bon, à force de lire les journaux, de venir ici, de parler avec des gens comme Pierre Bénichoux, Claude Sarraute ou Gérard Miller, j'arrive à avoir une idée politique. Mais la majorité des jeunes n'ont pas d'idée politique. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la politique. Moi, je dirais qu'il ne faut pas réduire, il ne faut pas non plus déprécier cette catégorie de la population. Il faut juste dire que, hélas, aujourd'hui, au point de vue de la... C'est tous les jeunes en général. Hein. Moi aussi, j'en faisais partie. Enfin, je connaissais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, on n'a pas de représentation. Et c'est encore une fois, je me répète, une question de discours. Vous voulez dire que pour pouvoir s'intéresser à quelque chose, il faut aussi s'y reconnaître. Bien sûr, on s'entend. Et vous êtes, par exemple, à la prochaine présidentielle, vous voterez pour Olivier Besancenot?
moi, je garde mes opinions personnelles pour parce moi. Que, moi ce que, ce maintenant, j'irai voter, mais il faut savoir une chose, c'est que je vais aller m'inscrire mardi prochain, le 20 décembre. Je ne suis pas inscrite, j'ai 28 ans. Toute dernière question, Perry. Oui, alors, puisqu'on parle politique, j'avais quand même envie de poser deux questions à Olivier Besancenot. La première, qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez une fougue incroyable. Vous êtes impliqué dans la politique corps et âme. Vous adorez ce que vous faites. On sent qu'il y a une passion. Qu'est-ce que ça vous fait de penser que jamais vous ne serez président de la France? Perry, Perry qui est non, jolie. On ne peut pas tout mélanger non plus, parce non, que c'est vrai que... Vous pouvez lui répondre à Perry. Perry qui est jolie, qui est intelligente, qui est bandante. Qu'est-ce que ça te fait? Tu ne seras jamais Miss France. Mais moi, je ne veux pas. Mais moi, je ne veux alors, pas. Alors, attendez. Je on a bien compris, on vous soutient à fond la caisse, et on le dit souvent nous-mêmes ici, avant même que ce comité n'existe, on n'arrête pas de le dire, inscrivez-vous, votez, exercez votre devoir civique, on est le premier à le dire, Dieu sait qu'on a, on montre du doigt, et je suis le premier à le faire, les magouilles politiques quand il y en a, mais Dieu sait qu'on a toujours dit ici qu'il ne faut pas mettre tous les hommes politiques dans le même sac, il y en a dans chaque parti des salauds, mais il y en a des très bien aussi qui font leur travail à droite, à gauche, ça existe que la vie politique n'est pas à mettre tous, ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, donc il faut voter, que c'est très important. Voter justement pour voter pour les meilleurs. Hélas, on s'aperçoit aussi que le public, quand il vote, et les électeurs, quand ils votent, votent parfois pour des gens qui ont été mis en examen 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ça, c'est quand même. Ça doit vous décourager de voir ça, non, quand même. Non, mais vous n'arriverez pas à me décourager de toute façon. Mais c'est vrai que c'est décourageant. Au-delà de ça, on voit bien quand même que votre mouvement est plutôt à gauche. C'est pas pour déplaire à la majorité, peut-être, des gens qui sont ici, mais il est plutôt à gauche, votre mouvement. Alors, est-ce que finalement, c'est pas paradoxal quand on vous entend, vous et d'autres, dire non à des primaires à l'italienne à gauche que propose, on voit bien qu'au PS en ce moment, ils y pensent, que finalement la meilleure façon peut-être de lutter contre les idées de M. Le Pen et qui n'est pas Le Pen au deuxième tour, c'est qu'il y a un candidat qui rassemble la gauche. Et là, on sent qu'il y a un début d'idée de dire tiens, de faire des primaires à l'italienne et de dire on va désigner le meilleur candidat de gauche. Parce que si vous êtes candidat, si Arlette Laguiller est candidate, s'il y a un candidat au PS, s'il y a encore un autre candidat, vous pensez que c'est la meilleure façon de combattre les idées de M. Sarkozy, puisque ça semble être quand même ça le but finalement de cette action. Ou les idées de Le Pen? Non, mais une fois de plus, ça fait d'abord beaucoup de si, parce que là, oui, vous parlez de... ça fait beaucoup de si. Et une fois de plus, on n'est pas là pour parler de ça. Là, vous parlez de primaire. Non, non. Non, mais je dis pas que les gens en parlent pas. Oui. Mais je vous dis une fois de plus que c'est pas la démarche qu'on est en train d'expliquer. La démarche qu'on est en train d'expliquer, on a bien c'est aux compris. Gens. Oui, mais c'est non, plus. Non, mais vous avoir en face de nous, ça nous tente quand même de vous poser des questions. Mais je crois que c'est dans la suite de votre de la démarche. C'est important de pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que avant que les gens, là, les gens pour l'instant, ils sont pas inscrits sur les listes. Et on nous parle déjà du casting de ce qui pourrait être éventuellement la bande candidature à gauche. Ben moi, je propose de prendre les choses dans le bon sens, voilà, de prendre l'état d'urgence tel qu'il est. Il y a des millions de personnes, et pas simplement des jeunes, qui aujourd'hui encore pensent que la politique sert à rien, que leur voix sera jamais entendue. Je pense que voter, ça ne suffit pas, mais je pense que la démarche collective, elle est importante à ce moment-là. Donc parce le restant, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Ça, c'est un bon slogan. Voilà. Voilà, je pense. Elle est bien, cette ligne-là aussi. Si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Très bien, on le garde. Parfait. Restez encore 2 minutes. Vous allez devoir, Olivier Besancenot. Qu'est-ce que vous laissez ça d'être médiatique hein? C'est aussi pour ça que vous aidez ce mouvement. C'est parce que vous êtes médiatique, parce que les gens vous écoutent, parce que même s'ils ne votent pas pour vous, en tout cas, ils vous trouvent plutôt sympathique, ils trouvent que vous parlez différemment. C'est aussi ça qui fait que votre présence est importante au sein de ce comité. Et c'est aussi pour ça que Philippe Vandel vous regarde à la télévision. Philippe Vandel, le zapping de l'invité. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, Laurent parlait de l'image, je vais parler du look, qui est chez vous, Olivier, très étudié ou alors pas étudié du tout, ce qui est une autre forme de sophistication. Alors, je vais raconter pour Stevie et pour les plus jeunes qu'Olivier Besancenot, dans son look, a commencé en tâtonnant. Regardez, on va le voir. À ses débuts, il avait une chemise à carreaux façon vieux campeur. Il l'avait dans les meetings, il l'a recyclé sur les plateaux télé, c'était la préhistoire. Maintenant, il cible chaque média. Jean t-shirt noir pour Canal+, petite maille très bobo pour le décor dans l'aparté, chemise dépnoyée à la fête de l'UMA, casquette à l'envers pour poser avec un rappeur, blouson en cuir dans une manif aux côtés d'Attaque, et c'est tellement stylé que les rappeurs se reconnaissent en lui et qu'on lui demande ses bonnes adresses de shopping. Où est-ce que vous achetez vos vêtements, vous? Ici, par exemple? Ici, par exemple, ou au Opus. Ce qui me plaît en lui, c'est que quand tu le vois, c'est... il est habillé comme moi. Et voilà, et vous avez vu comment il est habillé? Il a mis un petit col en V comme vous, Laurent. Regardez, vous êtes habillé pareil quand même, c'est incroyable. Est-ce que vous regardez beaucoup la télé, Olivier? Bah, comme tout le monde, ouais, bien sûr. Vous n'êtes pas un téléphage forcené?
Non, je regarde pas mal. Ouais. Je vous demande ça parce que ces références viennent pas forcément de Marx ou de Lénine, mais aussi de la télé-réalité et même de la réalité tout court, plutôt de la télé tout court. Il ne s'agit pas du fabuleux destin d'Olivier Besancenot. Je peux terminer, s'il vous plaît. Juste 30 secondes, parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent. Je sais qu'il faut à chaque fois jouer au maillon faible dans une émission. Qui compte. Mais essayons de faire autre chose que le maillon faible, parce qu'il y a des salariés d'Altadis qui sont mobilisés aujourd'hui. Non mais d'accord, mais une fois de plus, la LCR, c'est pas Star Academy. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un casting. C'est vrai que c'est presque un casting, non? Non, c'est tout sauf un casting. Une fois de plus, la LCR, c'est pas Star Academy. En tout cas, voilà, avant le 20 décembre, si ça n'est pas... décembre, allez vous inscrire. Voilà, si ça n'est pas fait encore, allez vous inscrire sur les listes électorales. Tiens, il y a peut-être une chose toute simple, hein, qu'on pourrait dire, comment on fait pour s'inscrire sur les listes électorales? On parle de ça depuis le début, mais c'est peut-être... On a besoin d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Voilà. Parfait. EDF... Et on va à sa mairie. Voilà. Respectivement. Il ne faut pas s'inscrire. Pendant les heures d'ouverture. Non, c'est peut-être la première chose par laquelle on aurait dû commencer, parce que c'est tout simple, mais voilà, c'est fait, c'est dit. Allez vous inscrire, merci à tous les deux. Merci. Comme c'est mignon ce qui vient de se passer. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Elsa Payet? Il avait une petite peluche, là, je l'ai enlevée gentiment. Elle est là, il vous met le petit doigt dans le nez, c'est mignon. Il avait une petite crotte de nez, je l'ai enlevée. Oh. Pour lui éviter les boulettes. Un cil tombé sur ma joue. Ben non. Une vraie mère pour lui. Tiens, t'as une crotte d'oreille. Il gâche tout ici. Pardon? Vous gâchez tout, c'était très poétique, c'était un petit geste d'avant l'émission. Et les filles, c'est quoi cette crotte entre vous deux? Oh, Luc, franchement, alors... Allez, on va essayer d'élever le niveau. On va y arriver avec notre dernier invité pour ce soir, c'est Stéphane Rousseau. Il va nous rejoindre sur ce plateau. C'est l'un des humoristes québécois préférés des Français, juste derrière Céline Dion qui nous fait beaucoup rire elle aussi. Mais c'est aussi un acteur. Souvenez-vous qu'il tenait l'un des rôles principaux dans Les Invasions barbares de Denis Arcand. Vous l'avez peut-être vu dans Chicago aussi, la comédie musicale. Après avoir cartonné tout l'automne dernier au Québec avec son nouveau one-man show, Stéphane Rousseau donnera 30 représentations exceptionnelles au Bataclan à partir du 17 janvier. Prochain, à partir du 17 janvier, donc à Paris, au Bataclan, et en tournée à travers la France, voici Stéphane Rousseau. Salut Stéphane. Très bien. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, ça me fait tellement plaisir de vous recevoir. Tellement content, tellement vous attendez tellement depuis longtemps. Merci, mon ami Laurent. Alors, ce spectacle n'a pas de titre, je remarque. Bien, effectivement, on a appelé ça « One Man Show » parce que c'est un one man show que je fais... C'est une bonne idée. Ah, c'est un peu à l'américaine. Vous aimez ça, dire ça? C'est un spectacle où je fais un peu de chansons, un peu de monologues, un peu de danse, entre guillemets. Et je m'amuse bien. C'est un spectacle déjà rodé. Moi, j'ai les dates partout où vous êtes passé là, depuis novembre dernier. Charleroi, Bruxelles, ça c'est en Belgique. Lyon, Nancy. Vous êtes allé sur l'île de Ré. L'île de Ré. Non, on y va, là. C'est le 16. Ah, le 16. C'est demain, en fait. Demain vendredi. Mais c'est pas tellement utile, Laurent, de donner les dates passées non plus pour la promo d'un spectacle. Mais non, mais c'est pour c'est gentil, mais oui, c'est pour qu'il découvre la France. Ah, j'adore ça. J'ai été en Belgique, j'ai mangé des spéculoos. Wow. Et qu'est-ce que j'ai mangé là-bas aussi? Des babelutes, des petits bonbons, là. Délicieux. Samedi soir, vous serez à Saint-Georges-de-Didonne. Il y a un grand festival d'humour là-bas aussi. Oui. Je ne sais pas si c'est ce week-end, mais en tout cas, dans l'année, il y a un festival d'humour. J'imagine que c'est dans le cadre du festival d'humour. Ben, je ne crois pas. Non, je crois que c'est une date comme ça. On a réservé un théâtre et on a vendu des billets. Bon. En fait, autant vous le dire. C'est à Saint-Georges-de-Didonne. À quelle date? En tout cas, autant vous le dire à Stéphane Rousseau. C'est pas vraiment pour parler de votre one-man show qu'on vous invite. Ah. On veut avoir des nouvelles d'Alain Juppé. Ah, écoutez, ben je sais... Il a l'air déprimé sur les photos dans Paris. Mais il veut pas parler à personne. Ah. Ben non, seulement sur ses blogs, effectivement. Si, moi j'ai les dates de son spectacle au Québec. Il était le 13 à Montréal, le 16 à Québec, le 17 à Montréal. Et t'as fait beaucoup d'avance. Du 17 janvier au 25 février au Bataclan, Stéphane Rousseau, regardez la bande-annonce du spectacle. Fill my heart with song and let me sing forevermore. For you were all I long for, all I worship and adore. Oh, the light born on the
vraie chanson. Eh oui, eh oui. Musical, on dirait. Ah, il est très énervant comme humoriste, autant vous dire. Très énervant, très énervant. Oui. Il fait tout. Comment ça, il fait tout? Bah, il fait tout. Vous l'avez vu, vous? Bah oui, j'y suis allée. Alors, c'était une ambiance un petit peu plus épurée au De Jazé que ce qu'on vient de voir. Hein. C'est plus vous sobre. Étiez là, vous étiez là. Oui, bien vous sûr. Avez fait des coucous, vous m'avez pas vu. Oh. Vous étiez en plein dans votre truc. J'ai vu Monsieur Gueux. Oui, il m'a dit bonjour. C'est très impressionnant. Il chante une chanson de Sinatra et il descend dans la salle et puis il dit bonjour aux copains. Ben, j'étais content. Ah, mais moi aussi, mais j'ai pas voulu commencer à parler avec toi. T'imagines le mec qui l'arrête. Comment tu vas? Dis-moi, t'as bouffé où hier? Alors, comment vous l'avez trouvé, Elsa? Bah, il est fantastique, il fait tout. Alors, il fait rire, il chante, il danse, il chante super bien. Mais alors moi, je ne m'attendais pas à un spectacle aussi musical. Heureusement qu'il est moche. Hein. Mais même pas. C'est un séducteur sur scène. Et alors moi, votre personnage que j'ai adoré, c'est le Latinos. C'est Chico. Vous pouvez me faire la langue? Muy bonita, señorita. Hey. Une femme sur deux a déjà fait l'amour avec Rico. Pour l'autre, ce n'est qu'une question de temps. Ça devrait faire rire. Claude. Ce que je trouve surtout, pour moi, pour mon goût, tu es vraiment beau. Et c'est pas tellement fréquent. Pour un humoriste, un amuseur... Excuse-moi, Laurent. Tu es vraiment ravissant, tu es très beau. Très grand, très mince, tu es parfait. Vous êtes humoriste, Laurent? Pardon? Vous êtes humoriste? Non, c'est pour ça que je suis très beau. Thierry. Il a un vrai concurrent, c'est Franck Dubosc. Bon, c'est un ami aussi, bien sûr. C'est surtout un pote, ouais. Mais il a travaillé sur le spectacle avec vous, d'ailleurs. C'est lui qui a fait l'adaptation des textes. C'est mon ami Franck. Je lui ai parlé avant d'arriver sur le plateau. Il vous salue, d'ailleurs. Mais comment ça s'est passé, justement? Parce que lui est très beau, il en joue. Vous êtes très beau, vous en jouez. Comment ce... Non, il en joue ça beaucoup se frippe moins. Pas Il en joue beaucoup quand moins, même, quand même, Stéphane. Un peu. Oh non. Bon, ben, j'en joue, bien sûr. Mais le personnage est différent, mais... on se complète bien, Franck et moi. On aime bien travailler ensemble dans le cadre du Festival Juste pour rire. Encore l'été prochain, on devrait co-animer ensemble. Alors, c'est une engueulade, une raison pour laquelle... Oh, mais il y en a. Il y a des petites engueulades. D'ailleurs, il y a un moment tellement cocasse. Franck et moi, on est dans notre loge avant le spectacle. Évidemment, le stress est à son maximum. Et puis, on commence à se prendre la tête sur un petit truc, un détail, je me souviens pas quoi. Mais c'est à l'époque où on avait fait le sketch, on portait un string avec une pointe de pizza devant le sexe. On est dans la loge, puis là, on se prend la tête vraiment sérieusement. Et puis, moi, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire parce que là, ça devient un peu trop intense. Et puis, je lui donne un coup de poing, mais pas trop fort, mais juste pour lui fermer la trappe. Un petit coup de poing dans le ventre. Puis là, il me regarde, puis il me dit, « Tu m'as frappé. » Là, on se regarde devant la glace, puis on est tous les deux en string. On se trouvait complètement ridicule de se prendre la tête. C'est des bons souvenirs, tout ça! Ouais. C'est la grande famille de l'humour. Gérard! Monsieur Miller, allez-y. Concert d'éloges évidemment mérité, d'où ma question. Est-ce que c'est vraiment fait pour les Français? Je précise ma question. Ce qui me frappe avec les Canadiens, quand ils sont bons, c'est à quel point ils sont très bons. Les chanteurs. Il faut aller au Canada pour voir ce que c'est vraiment le professionnalisme qu'on a du mal à connaître en France, même si on a de formidables artistes. Et je me dis que dans le domaine de l'humour, on aime bien aussi un peu les cafouilleux. On aime bien aussi ceux qui ne font pas un show aussi rodé qu'on le fait à Las Vegas, où on peut rester 5 ans avec le même spectacle. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction entre l'humour... C'est pas idiot, sa question. Ouais, ben, moi, je ne me considère pas si beau que ça, puis je me considère un peu cafouilleux aussi. J'aime improviser, j'aime déconner. Chaque spectacle n'est pas identique. Mais par contre, il faut une base solide. Je pense que l'humour, c'est sérieux, puis il faut y travailler. Puis Dubosc le fait très bien, Gad le fait très bien, puis Bigard aussi dans son genre. C'est des bosseurs quand même, t'arrives pas là comme ça. Il faut donner l'impression que tout est facile, mais faut s'amuser, mais faut être aussi respectueux de la scène, faut bosser. Vous y ajoutez? J'ai une petite interview. Allez-y. Tu préfères. OK. Tu préfères avoir ton voisin qui rock avec ta voisine ou rock voisine pour voisin? probablement, rock voisine, il pourrait me passer une de ses bagnoles, il y en a des belles. Tu préfères ressembler à Daniel Lavoie ou avoir la voix de Daniel? La voix de Daniel, c'est un très bel homme quand même. Mais... Tu préfères entendre Linda Lemay parler des Français ou parler français comme Linda Lemay? J'aime bien entendre Linda parler des Français. Tu préfères te prendre un palais au hockey sur glace ou avoir le hockey au palais des glaces? Je vais choisir le hockey au palais des glaces, je trouve ça rigolo. Tu préfères faire ta tournée dans un bus chouette ou en car hibou? Joli! Tu préfères être Natacha Saint-Pierre
ou avoir une attache à Saint-Pierre. Probablement avoir une attache à Saint-Pierre. Et enfin, pour terminer, en matière de boulet, tu préfères Stevie ou Isabelle? Très belle interview. Ouais. Émotion. Rapide. Ben, j'en profite pour saluer Isabelle, mais bien sûr, tout le monde aime c'est Stevie. C'est la meilleure, moi, je trouve Isabelle Boulet. Oui, une interview très grande interprète. Toutes les chanteuses et Dieu sait que vous nous en avez envoyé. Hein. On n'en peut plus. Limite, même les humoristes, ça commence aussi à bien faire. J'avais une question. Oui, j'ai juste la toute dernière. Oui, dans ce sens-là, pourquoi vous êtes une superstar au Canada? Vous êtes très connue, vous remplissez des salles entières. Pourquoi vous avez envie de venir en France recommencer à zéro? Vous faire connaître, démarrer, c'est parce que ça vous manque, le trip de... Vous faire chier à répondre à des questions à la cour. Mais non, mais c'est vrai, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est un vrai boulot, là. Ben pour plein de raisons, évidemment que c'est un défi personnel. Je le fais parce que j'aime la France, mais je le fais aussi parce que mes parents sont jamais venus ici. Puis chez nous, la France, c'était une carte postale de la Tour Eiffel qui était accrochée après la petite radio au mur. Vraiment, je me sens très choyé d'être ici. Du 17 janvier au 25 février, au Bataclan, Stéphane Rousseau dans son nouveau One Man Show. Vous aimez jouer? J'adore. Qui a vu qui? Qui a vu quoi? Regardez le classement. Les meilleurs ne sont pas là. Les plus forts dans ce jeu sont Jean-Luc Lemoyne et Christophe Alévèque. Mais Stevie est pas mal placé en quatrième position. Il pourrait rentrer dans le trio de tête. Elsa Fayer n'est moi, pas loin. Elsa peut dépasser Stevie. C'est le duel de ce soir. Bon, alors après, dans les profondeurs du classement, vous retrouverez Perry Cochin, Gérard Miller, Claude Sarraute. Mais je suis très haut. Pas du tout! Mais je suis deuxième du deuxième panneau! Ah oui! Vu comme ça, oui! C'est vrai! Et moi, première photo! Alain de la Juppé! Je crois que Stevie a été plus vite que vous. C'est la voiture d'Alain Juppé, on vérifie exactement! Bravo Stevie! Laurent, t'as pas posé la question. Nous attendions, Perry et moi, à l'oreille. Remets absolument. Pas le couteau dans la plaie, continuons. C'est pas faux ce qu'ils disent en même temps, c'est pas faux. Merci Laurent. Enlevez-moi le point alors. Non, on vous accorde ce point parce que la question était évidente. Évidemment, il s'agissait de savoir à qui appartenait cette voiture, à Alain Juppé. Bravo Stevie. Merci. Un point. Bravo Stevie. Photo suivante. Ah, ça c'est musclé. Parce que Dorothée. Alors attendez, je pose la question, où a-t-on pu voir ce monsieur hier? En discothèque. En discothèque, pas du tout. À l'Élysée. L'arbre de Noël de l'Élysée. Excellente réponse de Gérard Miller. Bernard Minet, animateur d'émissions pour enfants. Ex-batteur des musclés, effectivement, animait le Noël de l'Élysée auprès de Jacques et Bernadette Chirac. Bravo Gérard. Photo suivante. Ça, c'est Gainsbourg. Gainsbourg, alors, laissez-moi poser la question. Qui a peint ce portrait de Serge Gainsbourg? Titouan Lamazou. Non. Un caricature. Non. Anne Laurencin. Non. Un copain. Non. Un chanteur, oui. Johnny. Ah. Renaud. Non. Delerme. Non. C'est un chanteur de sa génération. Évidemment. Ah. On ne peut plus de sa génération. Français. Français, oui. Français, oui. Toujours en vie. Johnny, pas Johnny. Toujours en vie, non. Montand. Non. Ferré. Non. Brassens. Non. Nino Ferrer. C'est drôle que vous ne trouviez pas. Hein. Nino Ferrer. Non. Il peignait souvent. Non. Coluche. Beko. Non. Comment il s'appelle lui? Gainsbourg lui-même. Gainsbourg lui-même. Excellente réponse de Gérard Miller. Autoportrait de Serge Gainsbourg. Mais il était peintre en plus. Oui. Il a été peintre avant d'être musicien. C'est dommage, Stevie. Attendez, je regarde. Il vous reste encore un point. Deux points possibles. Hein. Vous pouvez encore essayer de battre Caroline Diamant et de rentrer dans le trio de tête. Photo suivante. De qui s'agit-il? Du mari de Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout, non. Du on en parle dans la presse ce matin. Non. C'est un Français. C'est Juppé. Non. Il a changé. Est-ce que c'est un Français? C'est un Français, oui. Un homme politique français. Non, alors je vais vous aider un peu parce que quand même, c'est assez amusant qu'on en parle dans la presse aujourd'hui parce qu'il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé et Philippe Geluck, ça va particulièrement vous amuser. Car c'est un dessinateur. Non. Un Belge. Non. Ça a un rapport avec Drucker. Avec Drucker, exact. Ah, c'est Jean-Pierre Coff. Bruno Mazur. Non. C'est une photo de Philippe. C'est une photo de Philippe à un moment où il... Qu'est-ce qui s'est passé chez Michel Drucker dimanche dernier? Eh ben, j'ai pas le Le retour de Cormier. Ah non, il y a deux secondes avant.
Le retour de Corbier, dimanche j'ai dernier. J'ai hésité en plus, je me suis dit c'est impossible, ça peut pas dimanche être. Dimanche dernier, il y a Dorothée qui revient. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le journal ce matin? Corbier, juge et flic. Il y a le père et le fils. Ah, mais attends, explique-nous, parce que moi, je ne sais pas qui mais c'est. Corbier était aux côtés de Dorothée dans Récré à deux, les émissions sur TF1. C'était un des animateurs de ces émissions près de Dorothée. Et Corbier, avec Abu, Dorothée. Et voilà, et Corbier est de retour, lui aussi. Alléluia. Un point, Stevie. Bravo. Photo suivante. Alors, pourquoi cette photo dans le journal aujourd'hui? Car cette femme... Elle est décédée. Oui. Elle est décédée, c'est une actrice. Oui, mais il faudrait son nom. Bah, elle est décédée. Elle est française. Son prénom, c'est Myriam. Non. Elle est française. Non. Elle n'est pas française. Ah, américaine. Non. Italienne. Italienne. Non. Suédoise. Canadienne. Danoise. Péruvienne. Danoise. Oui, ça nous elle est danoise. Elle était mariée avec quelqu'un de connu. Oui. C'est la femme de Corbier. Non. Non. C'est pas c'est une actrice. Jeune... Attends. Actrice. Françoise Arnoux. Non. Non, mais elle n'était pas connue. Elle a été mariée. La femme d'un roi. Elle, non, pas du tout. Elle a été mariée. Elle a été mariée. Anita Ekberg. Non. Anita Ekberg. Anita Ekberg. Mais c'est pas du tout Anita Ekberg. C'est une autre Anita Ekberg, Gérard. Enfin, quand même. Anita Ekberg, elle existe. C'est pas elle. Voilà. C'est presque ça. Est-ce que moi je peux connaître? Pardon? Moi je peux connaître ou pas? Vous avez hésité quand il a dit Anita. Oui, il y a quelque chose. C'est où le prénom? C'est peut-être Josiane Ekberg. C'était une des plus belles femmes du monde, hein, quand même, c'est faut le dire. Vrai. Hein. C'est pas Bergman. Non. Pas elle, c'est Anita tout. Son prénom ou pas? Non. Et son nom de famille, c'est bon? Anita Pallenberg. Ben vous ne trouvez pas, vous êtes lamentable. Hommage à cette comédienne décédée, Annette Stroyberg. Ah oui, c'est oui, la femme de Roger Vadim, entre autres. Ah, tu l'aurais dit. Pardon? Tu aurais dû nous dire. Là, t'es pas correct. C'est la femme de Vadim. Vous nous auriez dit Annette Stroyberg, on aurait trouvé tout de suite. Vous êtes cons, parfois. On perd du temps. Moi, je peux vous dire que tous ses amis l'appelaient pas Annette, mais Anita... Et mais Anita Ekberg, c'est une autre comédienne, Gérard. Mais je vous jure. Mais je sais bien que c'est une autre. Voilà, elle avait joué dans les Liaisons dangereuses, elle avait joué dans Et mourir de plaisir, elle était la compagne de Roger Vadim, elle était aussi la compagne d'un acteur italien, mais dont j'ai oublié. Annette Stroyberg. Bravo. Stéphane Rousseau, Bataclan, en janvier jusqu'au 25 février, à partir du 17 janvier précisément. Et vous pourrez aller le voir peut-être sur l'île de Ré demain ou à Saint-Georges-de-l'Isle ce week-end. Et il est là en tournée en France, profitez-en. Merci Stéphane. Merci à vous. À demain.